Jésus. Le Seigneur bon, de gloire. Tukufu. Père puissant. Baba mwenye uwezo. Ce soir, magharibi ya leo, nous sommes là. Tuko hapa. Kupiblia koteofe. Kwa kutangaza na matone yako makubwa. Annonce au monde entier. Na kutangazia ulimwengu mzima. Que tu es Dieu. Kamba wewe ni Mungu. Que tu règnes. Kamba umetawala. Dans tous les cieux. Mbingu kote. Tu règnes sur toute la terre. Unatawala kwenye dunia yote. Tu règnes sous la terre. Unatawala chini ya dunia. Afin de régner partout. Utawale popote. Parce que le règne est à toi. Maana utawala ni wako. Seigneur, ce soir. Bwana magharibi ya leo. Nous voulons te dire merci. Natakwambia asante. Pendant que nous apportons la parole. Tunapoleta neno de Dieu la Mungu à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Tunatofuata karibu ama mbali. Parler de la vie éternelle. Kuzungumzia uzima wa milele. Parce que c'est ça l'essentiel. Maana hiyo ndio ya muhimu. La vie éternelle. Uzima wa milele. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Notre sauveur et Seigneur. Mwokozi wetu na Bwana wetu. Seigneur, bénis ta parole. Bwana bariki neno lako. Seigneur, sème une vie ce soir. Panda uzima moja magharibi ya leo. Au travers de ta parole. Kupitia neno lako. Visite un cœur, Seigneur, moyo Bwana. Brisé. Iliyovunjika. Visite un cœur, Seigneur. Tembelea moyo Bwana. Oui, qui est loin de toi. Ambaye yuko mbali na wewe. Qui se demande ce qu'il faut faire. Swali tafanya nini. Mais nous bénissons ton nom. Nalibariki jina lako. Parce que tu vas toucher des cœurs ce soir. Utagusa mioyo magharibi ya leo. Tu vas visiter beaucoup de gens ce soir. Tembelea watu wengi magharibi ya leo. Nous croyons en toi. Tunakuamini. Dans ton amour. Katika upendo wako. Et dans ta force toute puissante. Nguvu ya kwenye uwezo. Au nom de Jésus Christ. Jina la Yesu Kristo. Notre sauveur et Seigneur. Mwokozi wetu na Bwana wetu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. C'est encore un jour merveilleux. Tena ni siku ya ajabu. Que le Seigneur nous a donné. Ambao Bwana ametupatia. Que nous puissions partager ce soir. Tupate kugawanya magharibi ya leo. Surtout partager ce pain de vie. Sana kugawanya mkate wa uzima. Ce pain. Mkate huu. Que le Seigneur nous a destiné. Ambao Bwana alituandalia. Le pain de vie. Mkate wa uzima. Le pain. Mkate. Que si tu le manges. Ambao ukiona ikula. Oui, bien-aimé, tu vivras encore. Zio, mupendo utaishi tena. Et ce pain de vie. Na hii mkate ya uzima. C'est la parole du Seigneur Jésus. Ni neno la Bwana Yesu. Que nous t'amenons ce soir. Ambao tunakuletea magharibi ya leo. Afin que si tu as faim. Ili ikiwa una njaa. Ah, que tu sois rassasié. Upate kushiba. Et cela se fera. Na hiyo itafanyika. La puissance du sang de Jésus. Wa damu ya Yesu. Cette parole que je t'amène, elle est vie et l'esprit. Ni uzima na ni roho. Ce soir, nous allons lire dans l'évangile katika injili de Saint Luc, ya mtakatifu Luka, le chapitre 11, sura yake ya 11, le verset 27 et 28. Mstari wa 27 na 28. Deux versets. Shairi mbili. Que je voudrais partager avec vous. Ambazo ningetaka kugawanya pamoja nanyi. Je sais que ce soir. Nataka magharibi ya leo. Tu es en train de me suivre. Uko unanifuata. Attentivement. Kwa makini. Et le Seigneur te bénira. Na Bwana atakubariki. Luc. Luka. Chapitre 11. Sura 11. Le verset 27 et 28. Mstari wa 27 hadi 28. La Bible dit. Biblia inasema. Pendant qu'il parlait ainsi. Du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaitée. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent par l'ordre du Seigneur. » Amen. 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 Ce soir, Leo. Ma joie est de partager avec vous cette parole de Dieu. Furaha yangu ni kugawanya pamoja nanyi neno hili la Mungu. Qui est vie. Ambao ni uzima. Et esprit. Pia ni roho. Cette parole de Dieu. Hii neno la Mungu. Qui ne te laissera pas. Ambao haitakuacha. Sans produire beaucoup de fruits. Bila kuzaa matunda mengi. Je sais qu'il y a des fruits. Najua kuna matunda. Qui seront produits. Ambazo zita uzaliwa. À l'écoute de cette parole. Kwa kusikia neno hili. Savez bien aimé dans le Seigneur. Najua upendo katika Bwana. Jésus. Yesu. Venait d'accomplir un miracle. Alikuwa anamaliza kutenda muujiza. Il venait d'ouvrir la bouche de quelqu'un qui ne parlait pas. Alikuwa anamaliza kufungua kinywa ya yule ambaye alikuwa bubu asemi. Un muet. Bubu. Le Seigneur l'a guéri. Bwana kamponya. Pendant qu'il l'a guéri. Alipomponya.
Une discussion s'est levée dans la foule. Mabishano kaya nuka katika umati. Les gens Watu. N'ont pas accepté Awakukubali. Que le miracle Kamba que Jésus venait de faire kufanya, venait de Dieu. Ilitoka kwa Mungu. Ils ont contesté na wakaza ipinga. Le ministère divin de Jésus. Uduma ya kimungu ya Yesu. Ils ne voulaient pas accepter awakutaka kuitika. Que le miracle Kamba muujiza, que Jésus venait d'opérer Yesu alitoka kufanya, venait de Dieu. Ilitoka kwa Mungu. Ils l'ont attribué à Satan. Wakaipatia shetani. Non, ils ont bien voulu refuser kukata. Que Dieu ne pouvait pas faire un miracle. Kwamba Mungu angeweza kufanya muujiza. Et ils ont attribué ça au diable, à Satan. Na wakaipatia hiyo muujiza shetani. Et une discussion s'est levée. Na mabishano fulani kainuka. Les gens commençaient à dire Watu wakaanza kusema, le miracle muujiza que Jésus venait d'opérer ambao Yesu alifanya, venait de Satan. Litoka kwa shetani. Et Jésus leur disait Yesu akawaambia, non, c'est le royaume de Dieu qui est parmi vous. Apana, ni ufalme wa Mungu ndio unakuwa miongoni mwenu. Recevez-le avec force. Muipokee kwa nguvu. Recevez-le avec joie. Muipokee kwa furaha. Oui, accueillez le royaume de Dieu. Parce que c'est un royaume qui vous est préparé si vous allez l'accueillir. Savez bien aimé dans le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. C'est un royaume d'opération spirituelle. L'esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu opère dans le royaume de Dieu, dans le ministère de Jésus. Les opérations spirituelles, les manifestations puissantes de l'Esprit étaient tellement nombreuses. C'était vraiment de miracles, miujiza, de prodiges, majabu, de manifestations énormes. Maziriko makubwa. Savez bien aimé dans le Seigneur. Même le royaume de Satan, hata ufalme wa shetani, c'est un royaume de puissance aussi. Ufalme pia uwezo pia. Parce que le Satan aussi opère de miracles. Shetani pia anafanya miujiza. Il opère aussi. Anafanya pia. Et c'est comme ça que ces gens, hawa watu, ils étaient dans la confusion. Katika machanganiko. Et comme ils ne voulaient pas recevoir Jésus, Ils ont attribué tous les signes que Jésus produisait à Satan. Wakapatia alama zote ambazo Yesu alikuwa anaonyesha, wakapatia shetani. Mais Jésus, ila Yesu, savait, alijua, le pouvoir qu'il avait. Uwezo aliokuwa nao. Jésus savait, Yesu alijua, la force kuvu qui détenait, ambao alikuwa nayo. Selon qu'il est écrit, kisi imeandikwa, il a été oint alipakwa mafuta de force na nguvu et de puissance na uwezo. Mais le royaume du diable, lakini ufalme wa shetani, c'est aussi un royaume de puissance. Nao pia ni uwezo, ufalme wa uwezo. La Bible dit, Biblia inasema, il opère au travers les dominations, anatumika kupitia utawala, au travers des autorités, kupitia mamlaka, les principautés, mafalme. Et les satans aussi, shetani pia, il opère au travers des princes, kupitia, des ténèbres, wafalme wa giza. Et il opère, il fait de miracles. Na anatumika, anafanya miujiza. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que Jésus est en train de défendre le royaume de Dieu, pendant qu'il est en train de parler aux gens, que ce que je fais, ce sont des signes et des présages, que le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Recevez-le et vous allez vivre. Et les gens refusaient. Les gens ne voulaient pas. Ils ont commença à le qualifier de Belzeboul. Walianza kumuita Belzebuli. Et pendant ce temps-là, na kwa hiyo wanyakati, la Bible dit, une femme, inasema mwanamke mmoja, sort du milieu de la foule, akatoka miongoni mwa umati, il s'avance, na akasogea, il s'avance, akasogea, il sort de la foule, akatoka mwa umati, elle veut faire entendre sa voix, anataka kusikia sauti yake, elle veut faire entendre sa voix, anataka kusikilisha sauti yake, elle veut que sa voix, anataka sauti yake, le Seigneur
puisse l'entendre. Elle est sortie. Na akatoka. Elle s'est séparée de la foule. Akajitenga na umati. Et elle a crié. Na akalalamika. Elle a fait une déclaration. Akatiri maneno. Que voici bien-aimé dans le Seigneur. Ambayo ndio hii mpendwa. La Bible dit. Biblia inasema. Elle cria. Akalalamika. Heureuse. Heri. La femme qui t'a mise au monde. Mwanamke aliyekuzaa. Et qui t'a allaité. Na ambaye kunyonyesha. Mais Jésus répond. Et la Yesu akajibu. Heureux plutôt. Heri. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Sana wale wanakusikia neno la Mungu. Et qui l'obéissent. Na ambao wanaitii. Heureux. Heri. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Savez bien aimé dans le Seigneur, la déclaration de cette femme, elle est trop tendancieuse. La déclaration de cette femme, elle a un objectif de dévier Jésus, de le faire sortir de la vision de sa mission. Ono ya kazi yake. Celle de chercher ceux qui sont perdus. Ile ya kutafuta wale waliopotea. Parce que la mission de Jésus. Maana kazi ya Yesu. C'était. Ilikuwa. Pour venir chercher. Kuja kutafuta. Ceux qui étaient perdus. Wale waliopotea. C'est pour ça qu'il est venu dans la chair. Ni kwa hiyo alikuja katika mwili. Son objectif. Lengo lake. C'était de chercher. Ilikuwa kutafuta. Ceux qui étaient perdus. Wale waliopotea. Son objectif. Lengo lake, c'était de réconcilier ilikuwa kupatanisha l'homme à son créateur. Mwanadamu na muumbaji wake. L'homme mwanadamu, qui avait déjà abandonné son créateur. Muacha tayari muumbaji wake. Et l'objectif de la venue de Jésus, na lengo ya ujio wa Yesu, c'était pour le réconcilier à son créateur. Ilikuwa na kumupatanisha na muumbaji wake. Mais cette femme, ila huyu mwanamke, elle vient anakuja avec une autre déclaration. Na ingine maneno. Elle veut faire changer à Jésus. Anataka kubadilisha Yesu. Sa vision. Maono yake. Son objectif. Lengo lake. Sa mission. Kazi yake. Celle de sauver. Ili ya kuokoa. Et rester en train de glorifier les personnes. Na kubakia iko anatukuza watu. Cette femme. Huyu mwanamke. Elle voulait aussi. Alitaka pia. Dévier la foule. Kutenga umati. Afin que la foule. Ili umati, arrête de suivre iache kufuata Jésus Yesu, pour qu'elle soit intéressée ili iache kujihusisha à sa déclaration na maneno yake. Savez bien aimé dans le Seigneur, c'est trop douloureux. Savez les sectes, mnajua hizi mazehebu, la secte wala zehebu, commence inaanza par une simple déclaration. Na neno tu moja ndogo. Ça veut dire quelqu'un. Yani mtu. Peut dévier l'objectif. Anaweza kutenga lengo. Ou il tord la mission. Wala anapindua kazi. Il va en dehors de la mission. Anaenda kinyume na kazi. Et en dehors de la mission. Na kinyume na kazi. Il essaie un peu de faire une déclaration. Anajaribu kusema neno. Et sur cette déclaration. Na juu ya hiyo neno. Il assoit une doctrine. Anaketisha mafundisho fulani. Et lorsqu'il fait assoir une doctrine. Na anapoketisha mafundisho fulani. Savez, il aura déjà dévié. Unajua atakuwa la foule. Alisha tenga tayari potosha umati. Il aura déjà dévié les gens. Atakuwa sha potosha watu. Et les amener loin. Na kuwapeleka mbali. De l'objectif. Mbali na lengo. La mission de Jésus. Kazi ya Yesu. C'est de sauver. Ni kuokoa. Ceux qui sont perdus. Wale wanaopotea. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Wale ambao hawamjui Mungu. Qui soit sauvé. Waokolewe. Qui reçoivent l'information. Wapokee taarifa. Et qu'ils reviennent. Na warudi. Qu'ils donnent leur vie à Jésus. Wapane maisha yao kwa Yesu. Mais pendant que Jésus. Lakini wakati Yesu. Est dans cette mission là. Yuko katika hiyo kazi. Il est en train de présenter le royaume de Dieu à la foule. Anaonyesha ufalme wa Mungu kwa umati. Au peuple. Kwa taifa. Qui l'écoutait. Ambao alikuwa anamsikia. Il présentait. Yuko anaonyesha. Oui, la mission. Ndio kazi. Pour laquelle il est venu sur la terre. Ambao juu yake alikuja duniani. Et cette femme. Na huyu mwanamke. Elle se donne le luxe. Anajipatia nafasi. Oui. D'arrêter Jésus ya kumusimamisha Yesu, de la mission qu'il avait na lengo ambalo alikuwa nayo, et de lui amener dans une autre vision na kumpeleka mwingine maono. Et la femme vient na mwanamke anakuja. Elle dit à Jésus, anaambia Yesu, heureuse heri la femme mwanamke qui t'a porté dans son sein ambaye alikuwa katika tumbo yake, qui t'a engendré ambaye alikuzaa. Cette femme, huyu mwanamke, qui aussi allaité jusqu'au sevrage, elle t'a
engendré. Alikusa. Et aussi elle t'a allaité. Na pia alikunyonyesha. Que cette femme soit heureuse. Mwanamke awe mwenye heri. Mais Jésus lui dit. Ila Yesu akamwambia. Heureux. Heri. C'est lui. Yule. Qui écoute la parole de Dieu. Anayesikia neno la Mungu. Heureux. Heri. C'est lui. Yule. Qui prête attention. Anayefuata kwa makini. À la parole de Dieu. Neno la Mungu. Heureux c'est lui. Heri yule. Qui prêtera son oreille pour entendre les sons, pour entendre la voix, pour entendre celui qui est venu sauver l'humanité. Le rouleau, celui qui est venu dans le rouleau du livre, celui qui est venu dans la chair afin de sauver l'humanité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les sectes commencent comme ça, avec les déclarations. Ne vous étonnez pas, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Inainuaka unga yote. Ça veut dire. Namaanisha. Une petite philosophie. Ka filosofia ka kidogo. Que vous essayerez d'introduire. Amaka mtajaribu kuingiza. Dans la mission. Ndani ya de Christ. Kazi ya Kristo. Et de l'église. Na kanisa. Cette semence là. Iyo chembe tu. Amènera loin la vision de Dieu. Itapeleka mbali maono ya Mungu. Savez, bien aimé dans le Seigneur. J'étais en train de réfléchir. Nikoni kitafakari. Par rapport à cette parole. Kulingana na hili neno. J'ai pensé un peu. Na niliwaza kidogo. À cette doctrine qu'on appelle la mariologie. Kwa hii mafundisho inaitwa ya Maria. Le culte marial. Ibada ya Maria. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Nitafakari sana kuhusu hiyo. Le culte ibada marial ya Maria, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Haikuanzaka leo. Cette femme huyu mwanamke qui était au temps contemporain à Jésus, ambaye alikuwa anaishi karne moja na Yesu, elle est venue avec cette vision là. Alikuja na hiyo maono. Elle dit elle veut que Jésus abandonne la mission. Akataka Yesu aache kazi. Qui soit en train d'être tourné. Akuwa anageukia vers sa naissance. Usa kuzaliwa kwake. Comment il est né de la Vierge. Namna gani alizaliwa kutoka bikira. Comment il a grandi. Namna gani alikomala. Où il a été sévré. Ama alitunzwa. Par cette femme. Na huyu mwanamke. Qui est bienheureuse. Ambaye ni mwenye heri. Oui. Dio. Oui, cette femme. Dio mwanamke. Elle est venue avec cette position. Alikuja na hiyo msimamo. Et pendant que je réfléchissais. Nilipokuwa nikona tafakari. Je me suis dit. Nikajiambia. Les origines. China. De la mariologie. Za hii usobi ya Maria. Peuvent provenir. Zinaweza tokea. De cette déclaration ici. Kwa hii neno hapa. Savez, bien aimé dans le Seigneur. Na tuyo katika Bwana. Avec la théologie. Pamoja na teologia. De Theotokos. Ya wale wanatokos. On appelle ça la théologie de Theotokos. Wanaita hii ni teologia ya Theotokos. Ou la doctrine de Theotokos. Au mafundisho ya Theotokos. Dans cette doctrine de Theotokos. Katika mafundisho ya Theotokos. Il est enseigné. Imefundishwa. Que Marie. Kwamba Maria. Toute sa vie. Maisha yake yote. Elle est demeurée vierge. Alibaki bikira. Après la naissance de Christ. Kisha kuzaliwa kwa Kristo. Elle est restée vierge. Alibaki bikira. Ça veut dire. Inamaanisha. Joseph. Yusufu. Ne l'a pas connu. Hakumjua. Joseph. Yusufu. N'a même pas couché avec elle. Hakulala naye. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Amupendwa katika Bwana. Pourtant la Bible nous dit. Biblia inatuambia. Que Marie. Maria avait d'autres enfants. Alikuwa na wengine watoto. De fils et de filles. Wanaume na wanawake. En dehors de Jésus. Ikinyume ya Yesu. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Ce qui est faux. Ile ambayo ni bongo. Avec la doctrine de Theotokos. Mafundisho Theotokos. La deuxième chose. Kitu ya pili. Dans cette doctrine de Theotokos. Katika hii mafundisho ya Theotokos. C'est que elle dit. Écrit à haute voix. Inasema na kwa sauti kubwa. Que Marie. Kwamba Maria. Elle est la mère de Dieu. Ni mama wa Mungu. Dieu n'a pas de mère. Mungu ana mama. Dieu n'a pas de mère. Mungu ana mama. Et Marie. Na Maria. N'est pas restée vierge. Hakubaki bikira. Après avoir engendré Jésus. Kisha kumzaa Yesu. Oui.
Dio. Elle n'est plus restée vierge. Hakubaki tena vikia. Et elle a eu d'autres enfants. Na alizao wengine watoto. La deuxième chose. Kitu ya pili. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Dieu. Mungu. N'a pas de mère. Hana mama. Marie est la mère du Fils de Dieu. Maria iko mama wa mwana wa Mungu. Mais pas la mère de Dieu. Lakini hapana mama wa Mungu. Savez bien aimé dans le Seigneur. Najua pendo katika Bwana. De cette théorie. Kupitia hii maneno, ou de cette philosophie païenne, ama kupitia hii filosofia ya kipagani, nous allons avoir tutaona, bien aimé dans le Seigneur, Bwana, le culte des déesses mères, ibada ya miungu ya kike wa mama, le culte ibada des déesses ya mungu wa kike, qui sont de mères, miungu ya kike ambazo ni wa mama, pour dire ili ya kusema que ces déesses là, kwamba ile miungu, parce que les mythes de ces cultes là, maana maakili ya mafilosofia ya hizo maibada, disait zilikuwa zikisema que ces déesses là, kwamba ile miungu, elles demeuraient vierges, zilikuwa zikibaki mbikira, mais elles étaient aussi mères, lakini pia zilikuwa umamama, bien aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, je voudrais nous dit ce soir ningetaka nituambie magari ya leo c'est du pire paganisme, kwamba hiyo ni upagani kabisa, c'est cette théologie là de Theotokos, ile théologie ya Theotokos qui nous amène à une virginité permanente, amatupeleka kwa ubikira ya kudumu, mais aussi à être mère de Dieu, na pia kukua mama wa Mungu, là c'est un problème, hiyo inakuwa shida, et c'est difficile, na ni vigumu. Et c'est très compliqué. Na inakuwa kitu ambayo inachanganyisha. C'est pour ça que une secte, jomana zehebu, elle peut être grande. Inaweza kuwa kubwa sana. En nombre. Katika idadi ya watu. Elle peut regorger beaucoup de gens. Inaweza kuwa na watu wengi. Mais lorsque elle laisse la mission christologique, lakini wakati inaacha kazi ya Kristo, et qu'elle s'avance, na inasogea mbele, vers les religions païennes, na inaendea madini ya kipagani, là il y a lieu de réfléchir. Pale kuna kuwa nafasi ya mtu mwasiatawaza. Bien aimé dans le Seigneur. Unajua mpendo katika Bwana. Lorsque vous lisez le discours, mnaposoma maneno du pape Benoît XVI, ya papa Benoît wa 16, dans ce discours, katika maneno yake, il stigmatise quelque chose. Il dit quelque chose de avec tout le sérieux possible. Il dit anasema que Marie, Maria, elle est la mère de l'Église. Ni mama wa kanisa. La mère de l'Église. Mama wa kanisa. Et aussi la mère de tous les humains. Natena anamuita mama wa wanadamu wote. Non. Ça ne marche pas. Il est haïpite. Haïtende. Ça ne colle pas. Il est haïbane. Il est. Ça ne marche pas. Il est haïkamate. Et ça ne peut pas aller. Na abiwezi endeka na hiyo kitu. On ne peut pas concevoir ça. Atuwezi hata kuiwazia ile kitu. Non, c'est un mythe. Inakuwa mama adisi. C'est vraiment dit n'importe quoi. Kabisa hiyo haina maana. Parce que l'église. Mana kanisa. N'a pas de mère. Haina mama. Non, apana. Non, c'est inconcevable. Haiwezi kukubalika. L'église ne peut pas avoir de mère. Kanisa haiwezi kuwa na mama. Mais l'église a un père. Lakini kanisa iko na baba. Le père, baba de tous les saints. Baba wa watakatifu wote. C'est Dieu, ni Mungu. Mais l'église n'a pas de mère. Na kanisa ina mama? Non, apana. Elle ne peut pas avoir une mère. Haiwezi kuwa na mama. C'est impossible. Haiwezekane. C'est de la pire, c'est un pur montage. Kabisa ni vitu ya kupanga panga tu. Et de toutes pièces. Na ambavyo habina kabisa msimamo. Et tout cela. Na hiyo yote. C'est pour amener les gens loin. Ni kusudi wapeleke watu mbali. De l'objectif. Na lengo. De la mission de Christ. Ya kazi ya Kristo. Lorsqu'il dit encore. Anaposema tena. Que Marie. Kama Maria. Elle est la mère de tous les humains. Ni mama wa wanadamu wote. Non. Apana. Là c'est encore un problème. Paleta ningine tatizo iko. Parce que la mère de tous les humains. Mana mama wanadamu wote. C'est Eve. Ni Hawa. C'est Eve. Ni Hawa. Et lorsque. Na wakati. On fait un montage. Wanapanga vitu. Comme celui-là. Kama kile. L'objectif.
kazi ama shaba. C'est d'amener loin les peuples. Ni kutenga watu mbali. Les peuples qui donnent leur vie à Jésus. Taifa ambako napatia Yesu maisha yao. On va l'amener loin de l'objectif. Wataipeleka mbali na lengo. On risque de l'amener dans la confusion. Wataweza kumpeleka katika machanganyiko. On risque de l'amener dans du n'importe quoi. Wataweza kumpeleka katika vitu ambavyo havina maana. Savez bien aimé dans le Seigneur. Unajua mpendwa katika Bwana. Il est écrit dans la parole de Dieu. Imeandikwa katika neno la Mungu. Le son. Sauti. Doit être connu du peuple. Lazima ijulikane na taifa. Si le peuple kama taifa ne connaît pas distinguer les sons, haijui kutenganisha sauti, le peuple marchera dans la confusion. Taifa itatembea katika machanganiko. Si le peuple kama taifa ne comprend pas, haielewi qu'il faut différencier un son d'un autre, kama inabidi kutofautisha sauti moja na ingine, le peuple marchera sans révélation. Taifa itatembea bila ufunuo. Il va marcher dans la confusion. Itatembea katika machanganiko. Et le son na sauti. Si la Bible kama Biblia insiste sur la distinction des sons, inakazia kuhusu kutofautisha masauti. C'est pour que l'on sache quand est-ce qu'il faut danser. Wakati gani inabidi kucheza. Il faut connaître les sons, inabidi kujua sauti, de la trompette, ya tarumbeta. Quand il faut danser, wakati inabidi kucheza. Quand est-ce qu'il faut s'asseoir, wakati gani inabidi kukaa, dans la cendre, ndani ya majifu, et commencer à pleurer, na kuanza kulia. Oui, il faut comprendre les sons de deuil, kujua sauti ya kilio. Quand est-ce qu'il faut aller en guerre, wakati gani inabidi kwenda vitani. Il faut comprendre, inabidi kuelewa, les sons, sauti, de la trompette. Ya tarumbeta. À quel moment il est lancé? Wakati gani inapigwa? À quel moment il est sonné? Wakati gani inapigwa? Et il signifie quoi? Na inamaanisha nini? Le peuple. Taifa. Si kama on les désoriente, wanamtosha kwenye lengo. Ça sera difficile. Itakuwa vigumu. Ça sera difficile. Itakuwa vigumu. Qu'ils saisissent l'objectif. Washike lengo. L'objectif de la venue de Jésus. Lengo ya ujio wa Yesu Kristo. Sur la terre. Duniani. C'était de réconcilier l'homme. Ilikuwa kupatanisha mwanadamu. À Dieu son créateur. Na Mungu muumbaji wake. Ramener le cœur des fils. Kuleta mioyo ya wana. Vers Dieu leur créateur. Kwa Mungu muumba wao. C'est ça la mission. Niyo ndiyo kazi. C'est ça la mission. Et Jésus devait passer par la mort. Il devait passer par la passion. Une souffrance. Il devait passer par là. Parce que le prix de la rédemption. Le prix. Oui, bien-aimé, du salut ya wokovu, a exigé à Jésus ilisukutisha Yesu, de passer par ce chemin-là, quitter son trône de grâce, kuacha kiti yake ya neema, son trône de gloire, kiti yake ya utukufu, l'abandonner, kuyacha, venir, kukuja, naître, kuzaliwa, dans la femme, ndani ya mwanamke, venir, kukuja, marcher, kutembea, sur cette terre, kwenye dunia hii, dans la passion, ndani ya mateso, souffrir, kuteseka, porter le péché de l'homme, kubeba dhambi ya mwanadamu, oui, ndio, aller jusqu'à la croix, kwenda mpaka msalabani, et de la croix dans la tombe, kutoka msalabani hadi kaburini, et après la tombe, na baada ya kaburi, la résurrection d'entre les morts, kutoka wafu, afin que le salut, ili wokovu, soit obtenu totalement, ipatikane kwa utele. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ndio mpendwa katika Bwana, nous n'avons pas deux messages, hatuna ujumbe mbili, le seul message, ujumbe ya pekee, Jésus, Yesu, qui est né de la Vierge Marie, aliyezaliwa na Bikira Maria, oui, ndio, il a marché dans la passion. Alitembea katika mateso. Il est mort. Alikufa. Et il est ressuscité. Na alifufuka. Voilà notre message. Tazama ujumbe yetu. Voilà notre proclamation. Tazama tangazo letu. Voilà le message. Tazama ujumbe. Qui amène le salut. Ambao naleta wokovu. Mais il faut pas dévier le peuple. Ila haifai kutenga taifa. Savez bien aimé dans le Seigneur. Utapenda katika Bwana. La Bible dit. Biblia inasema. Si un aveugle. Ikiwa kipofu. Conduit un autre aveugle. Anaongoza mwingine kipofu. Tous deux. Wote wawili. Tomberont. Wataanguka. Dans une fosse. Ndani ya shimo. Parce qu'un aveugle. Mara kipofu. Ne peut pas conduire un autre. Hawezi ongoza mwingine kipofu. Il faut de la lumière. Inabidi kuwe nuru. Il faut que les yeux s'ouvrent. Inabidi macho ifunguke. Il faut que les écailles. Inabidi magamba. Tombe des yeux. Ianguke kutoka macho. Que les gens reçoivent la lumière. Na watu wapokee nuru. Que les clergés reçoivent la lumière. Na watu matajiri wapokee nuru. Que les clergés. Wale wenye kuheshimika.
les clergés wanadini qu'ils reçoivent la lumière wapokee nuru afin ili de marcher watembee sous les traces kwenye nyayo de Jésus-Christ za Yesu Kristo. Savez bien aimé dans le Seigneur. Dans la constitution dogmatique. Katika iyo kitabu ya kuanda mafundisho fulani. La constitution dogmatique. Iyo maandalizi ya mafundisho ama misingi ya kanisa. Sur l'église entre guillemets universelle. Juu ya kanisa ambayo inaitwa ya ulimwengu wote. À son chapitre 8. Kwenye kichwa chake kikubwa cha 8 on traite de la Sainte Vierge Marie. Wanazungumzia mtakatifu Bikira Maria. On parle wanazungumzia de la Sainte Vierge Marie. Mtakatifu Bikira Maria. Mais aussi na pia on parle wanazungumzia de son rôle kazi yake comme mère de l'église kama mama wa kanisa corps de Christ mwili wa Kristo. Vous voyez combien mnaona mara ngapi on peut amener de milliers de peuples wazapi mwanza leta maelfu ya taifa combien on peut amener des nations et des nations entières mara ngapi waza kuleta mataifa na mataifa yote loin de Dieu mbali na Mungu. Loin de la vision divine. Mbali na maono ya kimungu. De l'humanité. Kuhusu ulimwengu. Parce que la vision de Dieu pour l'humanité. Maana maono ya Mungu kwa ulimwengu. C'est que tous les hommes. Ni kwamba watu wote. Soient sauvés. Waokolewe. En recevant Jésus Christ. Wanampokea Yesu Kristo. Comme leur sauveur. Kama vile mwokozi wao. Et Seigneur personnel. Na Bwana wao wa pekee. Mais lorsque bien aimé dans le Seigneur. Ila wakati mpendwa katika Bwana. On nous amène. Wanatuleta. Dans le dogmatisme katika mafundisho ya dini de la mariologie ya mafundisho ya Maria là ça pose problème pale kuna kuwa shida ça c'est détourner le peuple de Dieu ile ni kupotosha watu kutoka mbali na Mungu du caractère central de la foi kutoka tabia ya kwanza ya imani le caractère central tabia muhimu de la foi en Jésus. Imani ndani ya Yesu. Une seule foi. Imani moja. Transmise. Ambao litopewa. Par les saints apôtres. Kupitia watakatifu mitume. On n'y ajoutera plus rien. Ataongeza takamo ingine. Aucune autre foi. Hakuna ingine imani. Ne doit être ajoutée. Inaweza kuongezewa. À cette foi là. Kwa hii imani. Que nous avons reçu une seule fois. Avant de l'époquer à mara moja tout. Par les saints apôtres. Na watakatifu mitume. Mais bien aimé dans le Seigneur. Kumpendwa katika Bwana. Si on amène le peuple. Ikiwa unaleta taifa. Loin de ce caractère central de la foi. Mbali na hii tabia muhimu ya imani. On sème de la confusion. Wako wanapanda machanganiko. De telle sorte que le peuple ili taifa ne saura distinguer haitajua kutofautisha le son sauti qui est donné ambayo inatolewa c'est un son ni sauti de quel instrument de la musique ya chombo gani ya muziki et c'est un son de la guitare je ni chombo ya kidari et c'est un son de la lutte je ni chombo ya kinanda c'est un son je ne sais pas du synthétiseur. Sijui kama ni chombo ya keyboard. Est-ce que c'est un son de la trompette? Je ni chombo ni sauti ya tarumbeta. Comment le peuple? Namna gani taifa? Arrivera. Watafikia. À déceler. Kujua. Le son qui est donné. Kugundua sauti ambayo inatolewa. Si on l'amène. Kama wanampeleka. Dans la confusion. Katika machanganiko. On amène dans sa foi. Wanataka katika imani yake. On ajoute encore une autre foi. Wanaongeza ingine imani. Comment va-t-il découvrir? Namna gani atagundua? Quel sera l'essentiel? Ya muhimu itakuwa nini? De sa mission. Ya kazi yake. Quel est l'essentiel de sa foi? Imani yake umuhimu yake ni gani? Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Le Seigneur t'aime. Bwana anakupenda. Le Seigneur t'aime. Bwana anakupenda. C'est pour ça qu'il te permettra d'écouter ce message. Bwana atakuruhusu usikie hii ujumbe. Afin que tu ne restes pas dans le flou. Ili usibaki katika mambo ya giza. Que tu ne restes pas. Ili usibaki dans les ténèbres. Katika giza. Parce que le monde est environné par beaucoup de ténèbres. Maana ulimwengu unazingirwa na giza nyingi. Et l'église
na kanisa, au lieu d'amener la lumière, kuliko walete nuru, vient encore ajouter les ténèbres, na kata kuongeza ingine giza, en amenant une foi, wakolta imani, sur une foi, imani, une foi transmise, imani juu ya imani ambayo tayari isha kutupewa. Mais ce soir, ile magharibi ya leo, reçois Jésus, pokea Yesu, dans ta vie, maishani mwako, que tu ne sois pas troublé, usichanganikiwe, dans ta foi, katika imani yako. Dans Jean chapitre 14, katika Yohana sura 14, le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema, ne soyez pas troublé dans vos cœurs, usichanganikiwe mioyoni mwenu, croyez en Dieu, muamini Mungu, croyez aussi à moi, na muniamini mimi. Voilà le message de la foi, tazama ujumbe wa imani. Non, ajoutez foi à la foi. Aifai kuongeza imani juu ya imani. Une foi que nous avons reçue une seule fois. Imani ambayo tulipokea mara moja tu. Par les saints apôtres. Kupitia watakatifu mitume. Jésus est mort. Yesu alikufa. Jésus est ressuscité. Yesu alifufuka. Il est monté. Alipanda. Il est assis à la gloire. Anaketi kuume kwa utukufu. De sa majesté. Kwa ufalme. Et il reviendra. Na atarudi. Pour chercher son épouse. Ili atafute mke wake. Je veux. Nataka. Que toi aussi. Nawe pia. Tu te catégorises. Ujiweke. Au milieu de l'épouse de Jésus. Katikati ya mwanamke wa Yesu. Que tu sois parmi. Uwe miongoni. Ceux-là. Wa wale. Qui vont être enlevés. Ambao watanyakuliwa. Avec Jésus. Pamoja na Yesu. Ne reste pas dans la confusion. Usifanye katika machanganiko. Non, il faut savoir. Inabidi kujua. Quel est le son. Sauti. Qui est donné. Ambao natolewa. Le temps que nous courons. Na nyakati ambazo tuko napitia. La Bible dit. Biblia inasema. Après avoir. Kisha. À plusieurs reprises. Kwa wakati nyingi. Et pendant beaucoup de temps. Na kwa wakati na kwa muda mkubwa. Parlez aux hommes. Kuzungumza na wanadamu. Parlez prophètes. Kupitia manabii. Dans notre temps ici. Hii karne yetu. Dieu ne parle pas aux prophètes. Mungu asema. Il ne parle pas par les prophètes. Mungu asema kupitia manabii. Mais le Seigneur. Ila Bwana. Parle. Anasema. Aux hommes. Kwa wanadamu. Par son fils. Kupitia mwanawake. C'est pour ça que Jésus dit à cette femme. Yesu akamwambia huyu mwanamke. Non. Apana. Parce que tu parles. Non, ce n'est pas ce message apana, là qu'il faut donner aux gens. Mais, lakini, heureux, ceux qui vont recevoir, ceux qui vont écouter la parole de Dieu, ceux qui vont écouter, c'est lui yule, qui est venu aliekuja, dans les rouleaux du livre, le Fils de Dieu, wa Mungu, lui qui est la parole. Neno, si vous l'écoutez, vous serez sauvés. Si vous l'écoutez, si vous le recevez, et que vous mettez ça en pratique, dans votre cœur que vous le receviez comme sauveur et Seigneur, alors le salut entrera en vous. Le salut va entrer. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Mungu anaacha nawe. Dieu a besoin de toi. Mungu anaacha nawe. Ne reste pas distrait. Usibaki mwenye kusubaa. Heureux le peuple. Heri taifa. Qui entend le son de la trompette. Sauti ya tarumbeta. Le Seigneur a besoin. Bwana anaacha. Des gens. Ya watu. Qui vont savoir. Ambao watajua. Distinguer. Kutofautisha. Le son. Sauti. Quand il est donné. Wakati natolewa. Et le son qui nous est donné. Mbata tumepata. Aujourd'hui. Leo. Il faut pas qu'il soit accompagné de ténèbres. Aifai isindikizwe na giza. Il faut pas qu'il soit accompagné de la confusion. Aifai isindikizwe na machanganiko. Mais le son. Lakini sauti. Tu as besoin ce soir. Unaacha magharibi ya leo. C'est que le sauveur. Ni kama Bwana. De ta vie. Wa maisha yako. C'est Jésus. Ni Yesu. Le Seigneur de ta vie. Bwana wa maisha yako. C'est Jésus. Ni Yesu. C'est lui qui peut t'aider. Anaweza kusaidia. C'est Jésus. Ni Yesu. C'est lui qui peut te secourir. Anaweza kukuokoa. C'est Jésus. Ni Yesu. Si tu le reçois. De tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, il viendra, atakuja, il va entrer à toi ndani yako, et il vivra avec na toi. Na wewe. Oh, si tu es d'accord avec moi, nami, reçois cette parole. Pokei neno. Si tu es d'accord avec moi, reçois cette parole. Pokei neno. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, nami, malheur à toi. Ole kwako. Parce que lorsque Jésus viendra, wakati atakuja, il te dira, atakuambiaka, mon serviteur avait prêché, ubiliaka, mais tu n'as pas reçu le message ujumbe, du salut. Ya wokovu. Oh bien aimé dans le Seigneur. Upendwa katika Bwana. La Bible dit, Biblia nasema, pour aller plus loin, ili, 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 ils ont
multiplier des associations walizidisha mikusanyiko et des congrégations na ma mikutano qu'ils ont dédié à Marie ambazo waliziweka kwa niaba ya Maria même des nouvelles fêtes hata masherehe zingine zipya qu'on a appelé des fêtes mariales ambazo walizita masherehe za Maria ont été instaurées zilishimikwa pour célébrer la gloire de Marie ili washerekee utukufu ya Maria. L'église kanisa s'est éloignée de sa mission. Ilijitenga mbali na kazi yake. La mission de l'église kazi ya kanisa c'est de répandre l'évangile kutangaza injili de Jésus-Christ na Yesu Kristo. Dire au monde entier kwambia ulimwengu wote que Jésus les aime kwamba Yesu anawapenda. Dire à tous les hommes kwambia watu wote que Jésus les aime kwamba Yesu anawapenda. Oh bien-aimé dans le Seigneur, upendwa katika Bwana, Jésus vous aime, Yesu anawapenda. Savez bien-aimé dans le Seigneur, upendwa katika Bwana, l'objectif de tout ça lengo ya hii yote c'était pour garder en mémoire ilikuwa kuweka katika kumbukumbu Marie Maria. C'est ça l'objectif de tout ça. Lenga toutes yote ces associations, izi ni vikundi vyote, toutes ces congrégations, izi ma ibada zote, qui ont été instituées, ambazo zilishimikwa. Oui, à cette occasion, la bien-aimée dans le Seigneur, hiyo, nafasi mpendwa, c'était seulement ilikuwa tu, pour rendre gloire ilikuwa utukufu, et la mémoire na kumbukumbu de Marie, ya Maria. La mémoire kumbukumbu de Marie, ya Maria. Jésus, Yesu, nous dit, anatuambia, pendant qu'il parle anasema, avec ses disciples, na wafuasi wake, l'apôtre Paul mutume Paulo, est en train de nous ramener iko anaturudisha, ce jour-là à la scène iyo siku pale kwenye meza ya Bwana, que Jésus était avec ses disciples. Ambako Yesu alikuwa na wafuasi wake. Il dit, le Seigneur dit, akasema, Bwana akasema, chaque fois wakati wote, que vous prendrez mutakapokula ce pain mkate huu et ce breuvage, na kinywaji hiki, ça veut dire, na maanisha, à l'image, kwa mfano, de mon corps, wa mwili wangu, qui sera offert, ambao tatolewa, pour vous, kwa ajili yenu, et mon sang, na damu yangu, qui sera versé, ambao tamwangika, oui, en rémission de vos péchés, ndio kwa ondoleo ya dhambi zenu, chaque fois, kila wakati, que vous prendrez ce breuvage, kunywa kinywaji hiki, et ce pain, na mkate huu, oui, ayez en mémoire, mwe katika kumbukumbu, maman, na kifo yangu, jusqu'à ce que je revienne, mpaka atakaporudi, oui, Dio. C'est ça le message, ndio ndio ujumbe. Non, ne devions pas le peuple, tusipotoshe taifa, ne confondons pas les sons, tusichanganyishe sauti, parce que si nous confondons les sons, mara tukichanganyisha sauti, le peuple ne saura pas, taifa itajua, quand il faut aller en guerre, wakati gani inabidi kwenda vitani, le peuple ne saura pas, taifa itajua. Quand il faut s'élever, prier, le peuple ne saura pas. Même quand l'époux reviendra, la Bible dit, quand le fils de l'homme reviendra, atakuja, ça sera à un signal donné. Itakuwa kwa alama ambayo itatolewa. Comment le peuple taifa connaîtra ce signal itatua ile alama si on met de la confusion dans kama sa vie, wanachanga michanga, si on met de la confusion dans sa foi, comment le peuple, oui bien aimé, saura le signal alama qui sera donné. Tolewa. La Bible dit, et au son de la trompette de Dieu, oui, Mungu, au son de la trompette, il y aura un son mlio que la trompette va donner, itatoa, et ce son là, tarumbeta, oui, il faut entendre ça. Mais comment vous allez l'entendre si on vous a mis dans la confusion, si on vous a amené différents sons au même moment, on vous amène beaucoup de sons au même moment. Non, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus dit, non, apana, pas ce que tu dis là, apana ya yeye mbona sema, mais plutôt, lakini, ceux qui écoutent, wale wenye kusikia, la parole de Dieu, neno la Mungu, ils sont bienheureux, wanakuwa wenye heri. Gloire au Seigneur Jésus, utukufu kwa Bwana Yesu, gloire au Seigneur Jésus, utukufu kwa Bwana Yesu, ceux qui écoutent la parole wale de Dieu, kusikia neno la Mungu, oui bien aimé dans le Seigneur, ce sont ceux-là, ni wale ndio, ceux qui reçoivent Jésus, wanaopokea Yesu, au travers de la parole, kupitia neno, qui mettront foi
watakaweka imani dans cette parole ndani ya hii neno et recevoir Jésus na kupokea Yesu dans leur vie maishani mwao comme leur sauveur kama mwokozi wao et leur seigneur na bwana wao ces gens là wale watu ils sont bienheureux ni wenye heri ils sont bienheureux ni wenye heri. Je me rappelle un jour, nakumbuka siku moja, bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana. Jésus était en train d'enseigner la foule. Alikuwa yuko anafundisha umati. Ça c'est dans Luc chapitre 9. Na pale katika Luka sura 9. Jésus enseignait les foules. Yesu alikuwa akifundisha umati. La Bible dit, Biblia nasema, il y avait un monde fou. Kulikuwa umati mkubwa. Beaucoup de gens. Watu wengi. Et sa mère était dehors. Mama yake alikuwa kainje. Loin. Mbali. Ses frères. Ndugu zake. Étaient loin. Walikuwa pia nao mbali. Les frères de Jésus. Wandugu wa Yesu. Parce que Jésus avait des frères. Wana Yesu pia alikuwa na wandugu. Qui sont nés de Marie et de Joseph. Walizaliwa na Maria na Yusufu. Les Juifs sont en train même en train de dire. Wayahudi hata wako wanasema. N'est-ce pas le fils du charpentier? Si mwana wa mseremala huyu. N'avons-nous pas ses enfants, ses frères Atuna et ses sœurs parmi nous? Wandugu zake na dada zake miongoni mwetu. Ils ont commencé même à les énumérer. Walianza hata kuwataja. Dont Jude. Wakasema Yuda. Dont Jacques. Yakobo. Ils ont commencé à les Jose. Walianza kuwaita Yose. Ils ont commencé à les énumérer. Walianza kuwaita kuwataja. Ili kuwaseme que Marie Maria avait des enfants avec Joseph. Alikuwa na watoto pamoja na Yusufu. Alors, alafu, la virginité éternelle, iyo ubikira ya milele, d'où vient-elle? Inatoka wapi ile? Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh mpendwa katika Bwana. À la fin de son pontificat, na kwa mwisho ya upapa wake, le pape Jean-Paul II, Papa Yohana Paulo wa pili, il a valorisé ce que nous appelons le rosaire. Aliweka rosario kuifanya ya samani kubwa. Et il a décrété na alianzisha l'année 2002 et 2003 na alisema mwaka wa 2002 na 2003 qui était une année consacrée au rosaire ambao ilikuwa mwaka ambao uliweka wakfu tu kwa ajili ya rosario. Oui bien-aimé dans le Seigneur. Sio mpendo katika Bwana. Afin que pendant une année ili kwa muda wa mwaka mzima les gens watu se mettre wajiweke à réciter les rosaires kuanza kuwa na isali rosario à faire des récitations. Oui kwa wazo wanafanya tu hiyo kurudilia pendant toute une année muda wa mwaka mzima. Imaginez-vous muwaze kidogo si Jésus kama Yesu serait rentré ce jour là angelirudi ile wakati qu'est-ce qui allait se passer? Nini ingelipitika na pendant 2 ans 2002 2003 consacré inaweka tu wakfu au rosaire kwa ajili ya rosario. Seigneur Bwana comment namna gani allons-nous entendre les sons? Tutasikia sauti. S'il y a beaucoup de sons kama kuna masauti nyingi. S'il y a la confusion de sons kama kuna machanganiko ya masauti. Comment allons-nous entendre les vrais sons namna gani tutasikia sauti nzuri ya kweli? Comment on va entendre les vrais sons namna gani tutasikia sauti nzuri? Oh bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana. Et dans ses catéchèses, na katika hizo kufanya katekisma yake, et ses discours, na maneno yake, qu'on a publié le 25 mars 1987, ambazo waliweza kuziweka rasmi kwa watu wote tarehe 25 mwaka mwezi wa 3 mwaka wa 1987. Il a décrété que ces jours-là restera le jour de la fête de l'Annonciation. Itabaki musiku ya sherehe mwaka wa kutangaza. De l'Annonciation. Ya kutangaza. Le jour siku que l'ange malaika a visité Marie. Alitembelea Maria. Pour lui parler. Ili amwambie du message. Ujumbe. Du salut de l'humanité. Ya wokovu ya ulimwengu. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Et bien-aimé dans le Seigneur. Na mpendwa katika Bwana. Il le fait. Alifanya. Par
sa doctrine kupitia mafundisho yake de redemptoris mater hiyo mafundisho ya ukombozi ama mama wa ukombozi ou la mère du rédempteur mama wa mkombozi ça veut dire na maanisha nini là on associe Marie pale wana changa Maria à l'œuvre de la croix kwa kazi ya msalaba wanamtia nani on associe Marie wanatia Maria à l'œuvre de la rédemption ndani ya kazi ya ukombozi est-ce que Jésus Jesus avait besoin alikuwa na haja de l'aide ya msaada pour la rédemption ili akomboe non hapana est-ce que Jésus avait besoin qu'un homme vienne le soutenir pour qu'il sauve le monde il y a encore les moindres non apana. N'est-ce pas que au ciel si kwamba mbinguni une réunion s'est tenue kulifanyika kikao et on demandait na waliulizaka qui va aller pour nous nani atenda kwa ajili yetu personne s'est levé hakuna aliyesimama seul Jésus Yesu peke yake aucun ange hakuna malaika aucun homme hakuna mwanadamu oui aucune créature hakuna kiumbe et dans les cieux mbinguni et sur la terre duniani et sous la terre chini ya dunia oui aucune créature hakuna kiumbe ne s'est levé kingesimama pour dire moi je vais aller taenda. C'est alors que Iposa. Jésus Yesu dira moi je vais aller mimi nitaenda. Et il est venu dans le rouleau du livre. Na kaja katika gombo ya kitabu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ndio mpendwa katika Bwana. Afin que tout celui qui entendra ili kila yote ambaye atasikia la parole de Dieu neno la Mungu qui reçoive Jésus dans sa apokee Yesu mashani mwake et qui soit sauvé na aokolewe. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce soir katika wale magharibi ya leo je suis en train de vouloir te dire niko nataka nikwambie que Dieu t'aide kwamba Yesu Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Parce que lorsqu'un aveugle mana wakati kipofu conduit un autre aveugle anaongoza mwingine kipofu ils vont tous tomber dans le trou. Wote wataanguka katika shimo. Lorsqu'on t'amène wakati wanakupeleka la confusion katika machanganiko dans le son ndani ya sauti qu'on te fait entendre ambayo uko nasikia tu risques de mal décider. Unaweza kuamua vibaya. Mais aujourd'hui Dieu te demande de décider. Leo Mungu anakuomba uamue. Donne ta vie à Jésus. Pata Yesu maisha yako. Non, laisse les autres dogmatismes. Acha wengine wana mafundisho yao. Laisse la dogmatique. Acha hiyo mafundisho. De la mariologie. Laisse ça. Mafundisho ya Maria. Non, tu ne seras pas sauvé avec ça. Hautaokoka na hiyo. Non, la vie de Dieu. Maisha ya Mungu. Elle est centrée. Inakuwa inasimama sur la mort tu ya kifo et la résurrection de Jésus. C'est cela le salut. Ndio ndio wokovu. Si tu crois comme on amini que Jésus est mort kwamba Yesu alikufa et qu'il est ressuscité d'entre les morts toka wafu tu seras sauvé. Utaokolewa. Le salut entrera en toi. Wokovu utaingia ndani kwako. Bien-aimé dans le Seigneur, fuis ces choses. Kimbia vitu hivi. Fuis ces choses. Kimbia vitu hivi. Fuis ces choses. Kimbia vitu hivi. Parce que la colère de Dieu vient. Na asira ya Mungu inakuja. Fuis ces choses. Kimbia vitu hivi. Ne reste pas avec. Usiweke na usibake navyo. Fuis ces choses. Il y a un temps de lumière qui est en train de circuler. Oui, dans les temps de la fin. Jésus parle yes, par son fils, par le fils. C'est par lui que Dieu parle. C'est par lui que Dieu parle. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais t'aider à comprendre que la vie éternelle, tu peux l'avoir. La vie éternelle, tu peux la gagner. Jésus a dit à cette femme, ne détournez pas la foule. Non. Apana. N'amenez pas usilete cette vision-là. Ile maono. Ce n'est pas la vision divine. Maono ya ça, c'est de la chair. Ni mwili ile. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Ni kazi ya mwili. Ça, c'est l'esprit ni roho. Humain ya kianadamu. Qui te conduit. Jena kusindikiza. Et lorsque on est conduit par la chair, na wakati unaongozwa na mwili, oui, on ne fera que les œuvres de la chair. Utafanya tu kazi ya mwili. Mais recevez. Lakini mpokee. Recevez la parole de Dieu. Pokee la Mungu. Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Non, pas cela. Apana hiyo. Mais c'est lui. Lakini yule. Qui recevra. Atakayepokea. Le message. Ujumbe. De la parole de Dieu. Neno la Mungu. Qui vient. Yabona toka. Communiquer aux hommes. Anakuja kuambia watu. Jésus. Yesu. Qui veut présenter aux hommes Jésus. Watu Yesu. Qui amène aux hommes Jésus. Watu Yesu. Si vous recevez ce message. Mokipoka yule ujumbe. Le salut. Wokovu. Va entrer chez vous. Itaingia kwenu. Et vous serez sauvés. Na mutaokolewa. Non. Apana. Ce n'est pas
la mariologie. Aiko iyo ujumbe wa Maria. C'est du pire paganisme. Ni kipagani kabisa. La mariologie. Et on va fonder sur Maria. C'est du pire paganisme. Ni kipagani kabisa. Pas cela. Panayo. Le Seigneur Buana ne vous a pas envoyé akuatuma adorer Marie. Kwenda kuabudu Maria. Ne vous a pas envoyé akuatuma donner gloire à Marie. Kwenda kupatia Maria utukufu. Ne vous a pas envoyé akuatuma que vous soyez en train de glorifier Marie. Natukuza. Elle a fait son œuvre. Alifanya kazi yake. Elle était une femme distinguée. Alikuwa mama wa pekee. Elle était une femme de dévotion. Alikuwa mwanamke wa kujitoa. Oui, elle s'est gardée pendant sa génération. Alijisonga muda wa kizazi yake. Et elle croyait. Na aliamini. À la promesse divine. Ahadi ya Mungu. Et effectivement, la promesse s'est accomplie. Na kweli ahadi ilitimia. Dans sa vie. Ndani ya maisha yake. Toi aussi. Nawe pia. Crois à la promesse divine. Amini ahadi ya Mungu. Le Seigneur a promis à l'humanité. Aliahidia ulimwengu. Oui, Dio. Que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et lorsque le serpent, sa tête sera écrasée, il blessera au talon. Oui, le fils de la descendance de la femme. Dio, parce que c'est lui qui a amené la rédemption. Oui, souvenez-vous de sa mort à la croix. Salabani. Et c'est là que le diable l'a blessé. Et lorsqu'il est mort, kufa, il est allé dans la tombe. Kaburine, le troisième jour, tatu, la tombe a dit, sema, je ne peux plus te retenir si parce que apa. Tu es un homme de promesse. Tu es le Christ. Christo, tu as la promesse de Dieu. Il est écrit que le troisième jour, tatu, tu ressusciteras. Oui, merci Dio, Seigneur. Asante Bwana. Parce que Jésus Mana Yesu est ressuscité. Alifufuka. C'est lui qui le reçoit. Nilambula anampokea. Reçoit la vie. Anapokea uzima. C'est lui qui le reçoit. Ulanampokea. Reçoit la grâce anapokea de Dieu. Neema ya Mungu. C'est lui qui le reçoit. Ulanampokea. Même s'il mourait. Hata kama angikufa. Jésus le ressuscite. Yesu atamfufua. Marie. Maria. Elle attend aussi. Anangojea pia. Comme tous les saints. Qui sont décédés. Elle attend aussi. Anangojea pia. La résurrection des morts. Ufufuko ya wafu. Non, ne la vénérez pas. Ce jour-là. Iyo siku. Elle vous dira. Atawaambia. Je ne vous avais jamais dit. Sijawahi kama kuambia. De me célébrer. Je vous avais jamais dit. Sijawahi kama kuambia. De m'adorer. Je vous avais jamais dit. Kama kuambia. Il n'y avait pas un autre sort. Akukua mwingine. Que celui. Mokozi, du fils de Dieu. Il n'y avait pas un autre son. Akukua ingine sauti. Que celui. Isipokuwa ile. Du fils de ya mwana wa Mungu. Il n'y avait pas un autre akukua son. Sauti. Recevez ce son aujourd'hui. Sauti leo. Jésus est à la porte. Yesu yuko mlangoni. Recevez ce son. Sauti. Oui, recevez ce son. Bien-aimé sauti dans le Seigneur. Recevez ce son. Pokei sauti. Oui, qui est distingué de tous les autres sons. Ce son-là, yesu, on ne les confond pas avec les autres sons. Sinon, le peuple la taifa va marcher dans la rêverie. Aujourd'hui, quittez les rêveries. Aujourd'hui, quittez. Aujourd'hui, quittez l'idolâtrie. Oh, quittez ces choses. Toute une année, une deuxième année. On est en train de célébrer les rosaires. Non, c'est de l'idolâtrie. Quittez ces choses. Le Seigneur vous aidera. Si vous quittez ces choses, le Seigneur va vous aider. Et vous tous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ce soir, levez seulement votre main et prononcez ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai marché par moi-même. Aujourd'hui, je décide de recevoir ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité et tu es monté et tu es assis à la gloire de ta majesté où tu intercèdes en notre faveur. Il n'y a pas un autre intercesseur en dehors de Jésus. Il n'y a pas
pas un autre médiateur en dehors de Jésus. Il n'y a pas un intermédiaire entre l'homme et Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il n'y a pas d'autre intercesseur. Oubliez ça. C'est de la distraction. Oui. C'est la perte de temps. Oubliez ça. Le seul intercesseur auprès du Père en notre faveur, c'est Jésus-Christ. Si vous le recevez, il va vous donner la vie. Il va vous aider. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je suis en train de te bénir. Parce que la lumière a jailli. Et elle est allumée. Elle est en train de sillonner. Seigneur, dans ce temps de la fin. Carne ya mwisho, le temps du bourbier. Wakati wa matope mengi, le temps. Wakati, où les sons sont confus. Zinachanganyika, le temps. Wakati, où les sons, les vrais sons. Sauti ya kweli, n'est pas ressorti. Haitoke, il n'est pas communiqué. Haitangazwe, Seigneur, Bwana, je te prie. Na kuomba, visite ce peuple qui m'a écouté. Laisse que la parole maneno, qui a été prêchée puisse être entendue. Seigneur, par beaucoup de gens. Kwa watu wengi. Merci parce que tu sauves. Sante mana unaokoa. Merci parce que tu restaures. Sante mana unafanya upya. Merci parce que tu bénis. Sante mana unabariki. Merci parce que tu agis. Sante mana umetenda. Merci parce que ton nom est béni. Sante mana jina lako limebarikiwa. Seigneur, merci. Bwana asante. De la lumière. Kwa nuru. Que tu apportes encore. Bwana leta tuleta tena. À cette foule. Kwa hii umati. À ces masses. Kwa hii umati. Innombrables. Kubwa. Seigneur, qui ne savent pas distinguer les sons. Ayo kwa tofauti sauti. Merci parce que le vrai son. Sante mana qui nous a été donné, c'est que dans les temps de la fin, Dieu parle aux hommes par le Fils qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Merci Seigneur de la vie éternelle que tu communiques aux hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Mubarikiwe.